Si. Ouais, putain, mais t'es encore là toi? C'est pas possible. Sécurité! Oui. Ah bah, là, tu filmes là. Ça? Hein? Tu filmes là? Oui, je filme. Ah, c'est grâce à vous qu'on a Babylone alors. Eh oui. Ah bah. Sans moi, merci. Je surveille pas. Ça va, tu tiens le coup? Bah ça va, je suis carrément crevé parce qu'en plus je couche tard tous les soirs. Il y a beaucoup de monde. C'est un flux permanent, c'est super massif. Mais bon, ça fait plaisir de rencontrer les gens, les blablateurs, tout ça. Donc voilà, c'est ce qui compte. Hein. Comment se passe la Japan Expo alors? Super, je rencontre plein de monde que je connais sur le chat mais pas dans la vie réelle. Ouais. Alors c'est vraiment intéressant de rencontrer ces gens et de voir à quoi ils ressemblent et ce qu'ils pensent dans la réalité quoi. T'es allé à la Japanime alors? Oui. Et donc là tu viens à la Japan Expo? Exactement. Comment tu les compares? Japanime, il y avait beaucoup moins de monde et c'était beaucoup moins animé que là. Il y a beaucoup plus de fun, beaucoup plus de personnes, plus d'animation. Le stand est plus grand ou plus petit? Beaucoup plus grand. Mais ça va? Ouais, ça va. Toujours d'attaque? Voilà, c'est ça. Il y a plein de monde et tout, on rencontre plein de gens, c'est super sympa. Comment ça se passe, les dédicaces? Fatigant, mais ça va. Fatigant? Ouais. T'arrives toujours à innover, c'est bon? Ce matin, j'ai dessiné deux robots. Ouais, j'ai innové un peu là pour les robots. Ah, c'est bien. Et des fois, je fais des trucs un peu plus classiques. Voilà. Suivant l'humeur et la motivation du demandeur. Just to get through the week. Sometimes it's hard. Bon, Choco. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la Japan Expo là pour l'instant? C'est trop bien. C'est crevant. Regarde la preuve. J'ai plus de voix. Je crois que je vais devoir mettre les sous-titres là. Ah ouais. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'expliquer aux gens, ils ne comprennent plus. C'est horrible. Fatigué. C'est trop bien. Salut. Salut. Alors, vous pensez quoi des créas? C'est un BG. Non, c'est Yoba de BG. Ou alors, Yoba, ta journée? Franchement, fantastique. Déjà, dès le départ, on était trempé. On est coiffé, je me suis recoiffé. C'était génial. Dédicace à fond. Fatigue à fond. On a bouffé à 16h. Top quoi. C'est déchirant. On est super heureux. Super fatigué, encore un jour. Allez, au revoir les blablas.